Hey Toti, on y est, c'est parti, le boss légendaire, enfin le boss légendaire, l'ennemi légendaire tout court. J'espère que tout va bien se passer. Je vais arrêter de crier dans le métro. Donc j'avais tout préparé. Ouais. J'avais tout préparé. Hop, c'est parti. C'est parti. On est chaud, donc ouais, je regarde, je vérifie juste une... Ouais, non, mais il y a tout, il y a tout, il n'y a pas de TP, il y a pas... Ah, ils ont faim. Putain, ils ont faim, mais venez tous ici, si vous avez faim. Qui a faim? Bah, obligé, c'est le mec qui était tout au fond, évidemment. Il m'en a abruti. Allez, bouffe. Voilà, c'est bien. Donc, normalement, ils vont m'enlever là les boulets de canon. Mais on s'en bat les couilles. On va rien recevoir. Putain, il a encore faim, mais mange, putain! Putain, le mec, il a faim, il veut pas. Pff, on s'en fout. Voilà. Engage. Du coup, j'ai réfléchi à un truc. Est-ce que je suis obligé de mettre. Ah ouais, non, on va pas aller, on va le laisser. On va les laisser leur nous envoyer des boulets de canon. Donc voilà les Danger 10 000 pour ceux qui n'avaient pas vu. Donc voilà. Ils sont quand même que 400 HP au max. Là, normalement, à mon avis, on les ratatine. Normalement, si tout se passe bien, on devrait les. Mais mange! Pourquoi ils mangent pas? Et le mec, il... Bref, ça m'énerve. Bon, normalement, on devrait les ratatiner easy. Par contre, ils nous envoient pas de boulets de canon, c'est assez bizarre. Assez bizarre, cette affaire. Bon, par contre, venez tous ici. Voilà, ils nous envoient nos premiers boulets de canon. Ça nous a même pas touché. Alors, est-ce qu'il a toujours faim? Ouais, il a toujours faim. Ça se trouve, il va mourir de faim pendant la bataille, ce con. Complètement con. Bref. Voilà, ils nous engagent et à mon avis, ils ne vont pas utiliser d'autres boulets de canon. Donc, on se prépare. Donc, ouais, j'ai réfléchi, vu que notre capitaine... Ah, putain, ça m'énerve cette molette. Vu que notre capitaine a déjà beaucoup d'esquive, on va peut-être pas forcément mettre... Voilà, la Black Cape encore. 20% d'esquive, on va peut-être pas la mettre. On va plutôt mettre voilà 15% de chance de critique. On va mettre la... Voilà. On va plutôt mettre ça qui est un objet défensif sur un mec faible. Voilà, 100% de chance, des petits trucs comme ça, quoi. Quoi d'autre? Moi, j'avais que ça. Ah mince, j'ai pas voulu faire ça. Putain, ils ont tous faim. Super, hein. Super, les mecs. Voilà, et lui le plus faible, on va lui mettre Dodge. Dodge. Voilà, donc normalement, ça devrait très bien se passer. Normalement. Par contre, ouais, ça aurait été bien qu'il se tape. Qu'il se tape, ouais, voilà. Au fond du bateau. Pour que personne ne tombe dans l'eau. Donc, c'est un bordel, hein, sans nom. On peut pas voir le nombre de PV. Ah, j'ai déjà un mec qui est déjà à, ouais, à 77 points de vie. Ça se trouve, c'est le mec qui avait faim. Ça se trouve, il est déjà mort de faim. Non, j'abuse quand même. Donc là, on peut voir un combat. Un mec d'équipage à moi contre un autre mec. On va voir ce qui se passe à peu près. Il me tape à 3 par là. Donc, ils sont déjà à 52 et 42 PV. Hein. Ça tape. Enfin, ça, il tape fort quoi. Ça va pas être si facile que prévu. Ah, il y a déjà un premier mec qui, vous avez vu? Un premier mec qui a fui. C'est bon signe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Putain, 25 points de vie, ils sont tous sur lui apparemment. Voilà. Ah, deuxième mec qui fuit. Chaque fois qu'il y a un mec qui fuit, il perd en dégâts. Donc, ils sont tous, encore tous sur lui.
Ah mince, j'en ai peut-être donné trop. Par contre, ouais, faut pas qu'ils... Voilà, je vais tous les payer. Ok. Il y a des dodges dans tous les sens. Ça, c'est marrant. Il me tape pas très fort, vous voyez qu'il y a des 4, des 6, des 8. Ah, maintenant, il se concentre sur lui, apparemment. Bon bah, hein, AFK. Voilà, troisième mec qui fuit. C'est cool. Comment ça se passe au niveau des PV? Ça se passe plutôt bien. Ah, quatrième mec qui fuit. C'est cool. PV 54-54. Cinquième mec qui fuit, 43. J'espère qu'ils vont vraiment qu'ils vont pas mourir de faim. Ah merde, là j'avais un 29 points de vie. Tac. Ah, il y a un mec qui est grave, il y a grave faim là, putain. C'est ça qui m'énerve dans le jeu. Sixième mec qui fuit. Je sais pas pourquoi le mec il voulait pas manger. Voilà. Septième, huitième. Cool, stylé. Par contre lui il prend cher. Yes. Par contre toi va manger s'il te plaît. C'est con que tu meurs de faim quand même alors que hein. C'est con que tu meurs de faim alors que. Bref. Je vais peut-être lui mettre dans un autre groupe, custom. Et on va prendre que custom. Et on va l'envoyer ici. On va voir ce qui se passe. S'il va prendre de la bouffe ou pas. Non, il veut pas prendre de la bouffe. Bon voilà. Il veut mourir de faim. Donc ça se trouve on va perdre un membre d'équipage aussi connement que ça et je vais être obligé de recommencer le combat juste à cause de ça. Ça se trouve. Au niveau des PV, 40%. Et l'autre, il a combien de bouffe? Il lui reste 31 de bouffe. Faut vite que je tue tout le monde pour qu'il aille bouffer. Alors au niveau des PV, ouais c'est bien, il n'y a que lui, il lui reste 37. Et lui il a 18 de faim. Allez va vite bouffer. Bouffe, bouffe, bouffe. Il n'y a plus personne, c'est bon, bouffe, bouffe, bouffe putain. Voilà, va bouffer. Allez, bouffe. Mais bouffe. Ah, enfin, putain. Ok, c'est bon. Bah, c'est le GG. C'est le GG hein. Par contre je vais les envahir avec tous mes membres d'équipage, pas seulement mon chef. Oh quoique. Ouais mon chef qui a perdu même pas 100 PV dans toute la bataille donc OP le mec. Allez j'y vais qu'avec mon chef. Les autres ils vont mourir de faim là, ces connards là. Allez moi je vous prends un V7, qu'est-ce qu'il y a? Un V12. Par contre je vais au fond. En mode petit sexe. Parce que là on dirait qu'ils ont plus beaucoup de vie mais il leur reste quand même des 100 PV et tout. Donc voilà c'est le GG sur l'ennemi légendaire, donc voilà il faut qu'on fasse encore 4 combats comme ça et c'est fini.
Prends tous ces dodges dans tous les sens, quoi. Oh, qu'est-ce qu'ils foutent eux d'ailleurs, du coup? Chef, niveau 92, n'empêche, bientôt niveau 100. Ah, ils sont tous low HP là, ils sont tous à un PV quoi. Non mais touche-les à un moment, c'est bon là, c'est ridicule. C'est ridicule. Oh, 2 points de vie quoi. Partout ça explose. Allez, dernier ennemi. Et boum, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le GG. Voilà, prends ta canne à pêche. GG maintenant, canne à pêche. Ah, ils sont vénères. Hein. Tous les mecs sont vénères. Pay all, voilà. Ils ont tous gagné des niveaux. Et ouais, faut que je leur mette. Faut que je me mette les objets normaux. Voilà, les Ancestor Mask. Et sur eux, on a des trucs qui donnent moins de morale. Oula. Tac. Voilà, cool. Et donc 3 coffres interact. Mais on va capture le. Putain, je n'aurais pas dû poser cette la bouffe que j'ai posée. Parce qu'on va capture le. On va capture ce foutu. On va capture le. Évidemment le bateau. On va capture le bateau. Je suis un peu. Oh là, je m'en mets. Tac. Voilà. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On a capture le monster ship, hein. Par contre, voilà, config du navire. Est-ce que je peux dock your ship? Ouais, non, je peux pas. Je sens que je vais éternuer. Désolé. Donc, bah voilà, le GG, c'est le GG, c'est le Nexus qui tombe. Il y a une ville ici, parfait. On y va. Et voilà, save the game. Niveau 93, si. Par contre, on a ruiné nos objets de soins, mais je pense que pour le prochain ennemi légendaire, on n'aura même plus besoin d'objets de soins, quoi. C'est stylé le bateau, là on a le bateau, l'ultime bateau du jeu, j'ai envie de dire. On peut encore le customiser à l'infini. Moi je suis pas très fan de customisation perso, m'en fous un peu en fait. Ce qui m'intéresse vraiment c'était les fondements du jeu. Le mélange de survie et de... Enfin bref, vous m'avez compris. Donc ça c'est cool, une taverne, on va pouvoir régénérer le moral de tout le monde, même si je l'avais déjà fait, puisqu'ils m'ont demandé de... Ils m'ont demandé à être payé juste après. Donc est-ce qu'on recrute un dernier pirate? On peut recruter un dernier pirate. Ça restaure la fin aussi. J'ai l'impression que ça m'a restauré la fin aussi. La taverne. Pas sûr. Hein. Ils ont tous faim. Deux oysters
deux hosters superposés. Donc je vais voir si ça restaure de la faim. Je suis à 54%. Je sais que ça restaure le moral, voilà. Ça remonte à 99. Bon, ça c'est mon capitaine, il a toujours le moral à fond. Non, ça restaure pas. Donc est-ce qu'on prend un dernier. Un dernier pervert? Accompant, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le plus cher en tout cas, stat value 28, mais il y a blacksmith, il coûte moins cher. On va prendre le blacksmith avec stat value de 28. Voilà, je prends un dernier pirate. Donc voilà le dernier pirate qui sera en mode. Ouais, par contre, il faut que je lui achète tout évidemment. Qui sera en mode canne à pêche comme les autres. Hein. Tu l'as fermé, mais il a pas fishing. Il a pas encore fishing ce con. Bon, on va lui mettre une hache, hein, tant pis. Voilà. J'ai aussi des objets qui me donnent des levels en plus. Faudrait que j'utilise. J'aimerais les utiliser parce que ça c'est le genre de truc que. Comme les super bonbons dans Pokémon, c'est le genre de truc que j'ai envie d'acheter que à la fin. Enfin quand. Avant, juste avant que ton Pokémon soit niveau 100, mais. Mais je crois qu'il y a. Comme dans le jeu, les niveaux sont infinis. Donc on a un Fling Pistol ici, voilà. Je lui achète un Fling Pistol déjà. Tac. Et on va le mettre. Ouais, il est déjà dans le groupe Ship Crew. Ok. Ah, on va le mettre dans le groupe Training justement aussi. Voilà. Comme c'est un noob. Et de la bouffe. Soupot. Prendre plus beaucoup. Voilà, je suis descendu en dessous de 1000 de pognon. Donc ça va pas du tout ça. Putain, j'ai 16 sous de pot, quoi, c'est trop. Par contre, faudrait que j'achète des livres pour le nouveau. Bah, ça, c'est toujours aussi galère. Attendez, mais non, j'ai rien dit. Allez, venez vite. Le dernier qui ressemble à quoi d'ailleurs? Il a une coupe bleue. Jonathan. Jonathan, c'est vraiment ça en plus. Jonathan. Carte du monde. Donc là, normalement, là, on a une renommée de ouf. Il me semble qu'on dirait qu'on a gagné 1000 de renommée. Quelque chose comme ça. Donc le prochain ennemi légendaire qui est ici, pas très loin. Par contre, les deux autres qui sont assez éloignés. Hein. Bon. Là, on va faire deux Danger Six. Mais bon, on va rusher là, cette fois-ci, plus besoin de farmer. On va vraiment rusher directement vers les Danger Six. Enfin, les Danger 10 000, je veux dire. Voilà. Maintenant, on a FK. Hop, petite rencontre, engage. Non, 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 j'y vais pas avec tout le monde. Je vais aller tuer avec mon chef parce que j'ai la flemme de les équiper, c'est quoi là. Quoique ça va prendre du temps quand même. Hein. Bon allez, j'y vais avec tout le monde. Mais pourquoi ils bougent pas leur cul? Ah ouais, c'est vrai, 13 secondes. J'ai oublié. Putain, ils vont m'envoyer des boulets de canon. Ah non, même pas. Non mais non, ah ouais, justement, c'est ça que je voulais faire. Qu'ils n'envoient pas de boulets de canon, ça m'énerve. Remarquez, on s'en fout, ça sert à rien. Je vais jamais l'utiliser, même contre les légendaires, je l'utilise pas.
écouter là, vous m'avez énervé. Enfin, il y en a qu'un seul qui a écouté quoi. Genre en mode pas d'autorité quoi. Ouais, si. Bon, je vais essayer quand même, comme je l'ai dit, je vais rusher jusqu'au prochain légendaire, mais ça risque quand même de prendre du temps vu la lenteur du jeu. Bon, venez là. Attendez, il leur met tous midlife avant. J'ai dit que ce jeu est lent, mais vous avez l'habitude de toute façon. Si vous avez regardé toutes les vidéos jusqu'ici, en tout cas un grand merci. Ça fait vraiment plaisir d'avoir vaincu ce légendaire. Ça prouve qu'on a le niveau de finir le jeu. Alors j'espère pas qu'ils vont faire un truc du style, ouais, vu qu'on a battu un légendaire, le deuxième est plus fort. Parce que ça va me prendre la tête. Ça voudra dire qu'il faudra encore plus farmer. C'est n'importe quoi, j'ai envie de dire, c'est tout. J'espère vraiment en tout cas. Oh putain, il vient de le faire saigner ce con. Bientôt niveau 100, ça serait bien que j'atteigne niveau 100 avant la fin de la vidéo, mais non, ça, à mon avis, ça ne paraît pas possible. Vidéo prochaine. Vidéo suivante. Donc, qu'avons-nous sur cette île? Des tribales. Hein, énormément de tribales. Oh là là, le nombre de... Bon. Je vais essayer d'y aller, mais j'ai peur de tomber dans l'eau, en fait. J'ai peur de tomber dans l'eau en 2 secondes. Oh là là, il tape à 19 quand même, hein. 24, je vois. Non, non, non. Voilà, voilà. 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 Je l'avais dit.
Je l'avais dit. Regardez ce qu'ils font avec l'échelle là. Parce que mon outil descend, il monte, il descend. Oh, ce jeu complètement buggé. Voilà, des pirates qui nous abordent, je préfère ça. Sinon, il y a un coffre, une tribal statue. AFK. Surprise! Surprise, c'est dit! Surprise! Surprise, c'est dit! Le rat veut se battre! Pauvre rat! Qu'est-ce qui fait ce bruit-là là? Qu'est-ce qui fait ce bruit-là? Il y a un truc qui fait un bruit bizarre. Ah, c'est lui qui répare, ok. D'ailleurs, il est vénère. Donc maintenant, on va surtout monter de la vie. Maintenant qu'on a monté l'esquive de tout le monde, à peu près. Ça me paraît une plutôt bonne. Ah ouais, d'ailleurs, le nouveau, j'ai même pas fait gaffe à lui alors qu'il aurait pu se faire niquer. Mais ça va. Ah oui, config du navire, voilà. Mince! Pourquoi je peux pas cliquer dessus? Pourquoi je ne peux pas cliquer sur config du navire? Allez, please, please, le jeu. Arrête de bugger. Je peux même pas cliquer sur carte du monde, je peux même pas sauvegarder ma partie. Ah bah GG. GG, c'est la fin. Je peux rien faire. Obligé de relancer le jeu. Non mais là clairement là. Ah c'est bon. Config du navire, voilà. Enlève les boulets de canon qui sont ici, ici, ici. Ah non là j'ai carrément enlevé les canons, moi c'est pas grave. Faut juste enlever les. Voilà. Enlever les munitions, mais bon. J'ai tout enlevé. Voilà. Carte du monde. Ah, Danger 7! Danger 7, ça existe? Danger 7? Apparemment, ça existe, il y a des piles. Ah, vas-y, on va voir ça. On va voir ça. Danger 7. C'est marrant. Je pensais pas que ça montait à. Si, je pensais que si, c'était maximum parce qu'on dirait que notre bateau ressemble à la suite du bateau des Danger 6. Et surtout que. Surtout qu'il n'y avait que des Danger 6 aux alentours de l'ennemi légendaire, donc... Rocking Gage, donc ça c'est un Danger 6, par contre, ouais, ça c'est un Danger 6 classique. Oh, il a esquivé ma balle, quoi, le mec trop fort.
Oh, ces connards là. Allez, à l'abordage. Et après ce combat, je vais arrêter la vidéo par contre. Le nouveau qui prend pas très cher, hein, ça va. Ah, d'ailleurs, est-ce que j'ai mis de la bouffe? Il reste plus beaucoup de bouffe. Il y a un mec vénère. Vénère. Déter. Sévère. Non mais arrêtez de pêcher ici. Non mais qu'est-ce qu'il fait le chef là, capitaine? Allez, allez-vous tous ici. Oh, j'ai droppé un livre, combat focus. D'ailleurs j'en ai besoin pour le nouveau, pour le noob. Voilà, K-Boom, ça on s'en fout. Total. Total, total. Alors voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, la suite dans le prochain épisode. Donc voilà, cliquez sur la vidéo suivante tout simplement. Ciao, ciao!